Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Nouvel entretien d'actualité politique, celui de février 2019, cette fois-ci pour la revue Militant, toujours, accompagné du rédacteur en chef, Monsieur André Gandillon. Sujet du jour, de la paupérisation à la réaction des Gilets jaunes. Donc le sujet va être assez large, et puis on en a traité il y a un ou deux mois environ. On va réactualiser un petit peu, parce qu'il y a eu peut-être 5-6 semaines depuis. Et bon, toujours est-il que le bras de fer continue entre les Gilets jaunes et le gouvernement, que le mouvement des Gilets jaunes est un petit peu entre régularisation et refus total de tout type de politique représentative, etc. Ils ont leurs propositions en interne avec le RIC. Donc on va revenir sur toutes ces choses, autant l'aspect terrain, puisqu'il y a les manifestations, que l'aspect politique. Et aspect national, international, avec les répercussions. Donc voilà, depuis, qu'est-ce que vous pouvez en dire, justement, par rapport à cette paupérisation, etc. Ce que je peux dire du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est né du tréfonds du peuple français, un mouvement totalement inattendu. Pour nous autres nationalistes, qui nous disions toujours, mais quand ce peuple français qui s'est battu, qui a réagi, qui a renversé je ne sais combien de régimes par le passé, va-t-il réagir et puis entreprendre de renverser l'actuel régime républicain. Ou la bataille de Bouvines, où les Français se sont levés pour défendre leur royauté. Et effectivement, là nous avons donc cette révolte des Gilets jaunes, qui est né, comme toute chose, c'est né d'une étincelle. Là, c'était une augmentation des taxes sur l'essence, qui est devenue véritablement insupportable. Vous savez, vous accumulez, à un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça a été l'élément qui a fait déborder le vase. D'autant plus que le gouvernement aurait peut-être une possibilité d'éteindre pour quelque temps encore les révoltes populaires, en tout de suite annulant ses taxes, rentrant chez lui, la queue basse, pour employer une expression triviale. Mais là, non, ça n'a absolument pas été le cas. Le gouvernement a maintenu sa superbe, sa morgue, son mépris du peuple, du petit peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se révolter, ces gueux, enfin, c'est à peu près ça, hein. Et le mouvement s'est donc amplifié. Et effectivement, on se rend compte d'une chose, c'est que le mouvement, effectivement, à sa naissance, à partir de problèmes de taxes spécifiques sur l'essence, une augmentation, disons, du racket fiscal, de la ponction fiscale, enlever en gros l'oxygène aux gens pour qu'ils puissent vivre. Et ça s'est développé sur d'autres sujets qui étaient récurrents, qui étaient beaucoup plus anciens, mais qui s'accumulent sur la durée, c'est-à-dire le problème du système économique dans lequel nous vivons, le problème de l'oligarchie qui ne défend plus les intérêts du peuple, les différents problèmes de l'organisation politique et fiscale du pays. En gros, c'est une remise en cause du système politique et administratif français qui progressivement aboutit à une chose, la destruction de la France, la paupérisation du peuple. Et pour finir, finalement, un gouvernement qui est devenu l'ennemi du peuple, c'est-à-dire le gouvernement de l'anti-France, si l'on peut dire. Alors, on avait un gouvernement de l'anti-France, par essence. Le gouvernement de l'anti-France remonte à 1789, enfin, 89. C'est une façon de parler, et vous avez dit le processus révolutionnaire, on parle de 1789. Enfin, ça remonte à cette période-là, à partir du moment où on a coupé la France de ses racines historique, puisqu'on nous dit toujours la France est née en 1789, non, la France, elle est née à Hucapet, elle est née sous Clovis, elle est née même à Vercingétorix, le soulèvement de 52 avant Jésus-Christ, c'est bien là, disons, la proto-France, si on veut dire, la proto-France qui se soulève. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que 70-80% des Français à la louche sont des descendants de Gaulois. Plus ou moins, ou même si on pense à nos amis italiens, bon, les cisalpins, les transalpins, bon, c'était des Celtes aussi. Donc les Piémontais qui sont venus chez nous, bon, en gros, c'est un substrat celtique. Donc qui est là.
Et 1789 a été véritablement une rupture. C'était surtout une rupture intellectuelle, une rupture métaphysique, une rupture métaphysique en ce sens que du passé faisons table rase. Avant, on avait une société organique, c'est-à-dire une société fondée sur l'ordre naturel, sur la vie organique, c'est-à-dire une hiérarchie et une mécanique de la vie sociale, des relations humaines, pour passer tout simplement à une vie reconstruite, à une société constructiviste, où c'est un agrégat d'individus, un petit peu comme les pixels que vous avez sur les écrans informatiques, vous voyez, et qui consistent... Ils appellent la construction sociale. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont en train de ressortir aujourd'hui. Quand on regarde dans l'histoire, les idées, les mouvements d'idées durent à peu près, grosso modo, 2 siècles. Eh bien, nous, ça fait plus de 2 siècles maintenant que le paradigme métaphysique républicain, constructiviste, anti-organique, anti-traditionnaliste, anti-tradition, s'est mis en place. Il est normal que maintenant, nous arrivions à un changement de société. Actuellement, nous vivons les prémices d'un changement de société. Nous avons connu un certain type de société pendant un temps, avec ses derniers avatars après la crise de 73, mais la fin des Trente Glorieuses, tous ces événements, et aujourd'hui nous arrivons à une période de transition qui va nous amener vers une autre civilisation, un autre type d'État, nous ne savons pas lequel, mais nécessairement nous allons aller vers autre chose. Et cette autre chose, eh bien effectivement, le peuple français, lui, ne veut pas mourir. Le fond, les tréfonds du peuple français veut se maintenir en fidélité à sa tradition. La tradition, comme le disait l'abbé Groult, qui est un nationaliste québécois, c'est le code génétique d'un peuple. C'est-à-dire, c'est que on reste soi-même fidèle à ses racines, tout en se transformant et en s'adaptant. Ça peut faire rire parce qu'on parle en même temps de continuité et de changement, mais c'est ça, il y a un certain flux où le père et le fils sont différents, mais ont un patrimoine génétique, ont un héritage similaire. Quoi. Voilà, oui, et exactement, les générations se succèdent, effectivement, le fils ne ressemble pas au père, et pourtant, il est dans la continuité du père. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes là. Les tréfonds du peuple français en est à dire, on ne veut pas mourir, on veut rester ce que nous sommes, on ne veut pas disparaître, on ne veut pas être détruit par cette oligarchie régimiste, cette oligarchie apatride, cette oligarchie de traîtres, cette oligarchie de criminels qui est en train de vouloir nous détruire. Alors, je dis pourquoi de criminels? Parce que, tout simplement, le régime républicain qui s'est instauré en 1792... et qui continue aujourd'hui, est un régime qui s'est fondé sur le sang, qui s'est fondé sur le crime, qui s'est fondé sur l'assassinat. Je ne parle pas seulement de l'assassinat de Louis XVI, mais le 14 juillet 1789. Bien. Qu'avez-vous eu? Vous avez eu des gens qui se sont emparés d'un bâtiment, d'une forteresse, la forteresse de la Bastille, qui avait promis de laisser la vie sauve au gouverneur, et à sa garnison, et qu'ils l'ont massacré, et qu'ils l'ont assassiné. C'est cet événement qu'on célèbre comme le fondement, comme la fondation du nouveau régime. C'était une guerre civile, où beaucoup de Français sont morts. Voilà. C'était un « et ». C'est fondé sur le sang, sur le massacre. Et là, nous vivons dans la cinquième... Et nous vivons dans la cinquième édition de ce régime fondé sur le sang, sur le massacre. Un régime d'anti-France dans la mesure où c'est un régime qui fondamentalement à l'origine est anti-chrétien, anti-catholique. Il ne s'agit pas ici tant d'un combat religieux, d'un combat spirituel, il s'agit avant tout d'un régime d'anti-France en ce sens qu'il coupe avec les racines qui ont constitué cette nation, la nation France, la nation française. Et effectivement, le rejet du catholicisme, étant donné que le catholicisme est l'élément spirituel qui a animé la civilisation française, qui a animé le développement de la nation française, eh bien, si vous enlevez ça, vous innervez la nation française, vous la détruisez.
Donc, autrement dit, aujourd'hui, un régime, comme avec un des anciens maîtres du Grand Orient de France, qui effectivement critique le fait que les catholiques continuent toujours à rejeter les droits de l'homme, à rejeter ci, à rejeter ça. Non, ce qu'ils rejettent tout simplement, c'est cette volonté d'enlever à la France son élément spirituel qui lui a permis d'exister. Et aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais, les gilets jaunes, finalement, c'est ce refus de leur destruction, de disparaître. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une civilisation, vous avez trois ordres, trois niveaux. Vous avez le spirituel. Le spirituel qui est l'homme, qui est la source de vie, la source jaillissante qui anime un corps, qu'il fait vivre. Vous avez ensuite l'élément intellectuel. L'élément intellectuel, en quelque sorte, c'est celui qui met en forme l'élément spirituel, qui l'actualise à la vie de la société, qui le transforme, disons, en doctrine, en idéologie. Enfin, je dirais l'idéologie, c'est pas le mot, mais au fond, en doctrine, en manière de penser, en prêt-à-penser. Vous avez le troisième élément, l'élément matériel, qui est la vie courante, la vie pratique, mais qui est infusée par les deux éléments qui la dominent. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez changé de paradigme, que vous avez détruit, que vous voulez détruire cet élément spirituel chrétien, cet élément spirituel catholique, et bien vous êtes en train de détruire complètement la France. Alors aujourd'hui, la plupart des gilets jaunes, je suppose, ne vont pas à la messe, ne sont pas très catholiques, ne sont pas très croyants. Pour un certain nombre même, ils ont été pervertis par la propagande régimiste. La propagande régimiste qui n'arrête pas de nous raconter que finalement, le plus grand malheur qui est arrivé à la France, c'est le régime du maréchal Pétain. De nous raconter que la France est née en 1789 et de nouveau née en 1945 après l'élimination du régime de l'État français, qui pourtant était véritablement la recréation de la France. Bah en fait, il rejette un peu, il y a une grande défiance vis-à-vis des médias, c'est vrai. Et en même temps, il y a eu un travail de 50 ans qui fait que c'est difficile à remettre en question un peu tout le prêt-à-penser qui a été développé. Voilà, justement, nous avons une ambivalence dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a effectivement tout un mouvement de bon sens. Ils disent « nous ne voulons pas mourir, nous sommes enracinés, nous sommes français ». La majorité silencieuse, d'ailleurs. La majorité silencieuse. Et de l'autre côté, vous avez ce fait de dire bah, « ah, ben oui, mais malgré tout, nous sommes républicains, nous sommes pour les droits de l'homme, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas antisémites, la Shoah, c'est... La Shoah, oh, grosse malheur !» Enfin, voilà, mais c'est ce genre de choses. Et c'est effectivement le blocage qui fait que ces gens-là, pour l'instant... refuse de rejoindre le mouvement nationaliste, les nationalistes qui sont le seul véritable courant de pensée qui défend l'identité française, la civilisation française et la culture française, en ce sens que la doctrine nationaliste est fondée sur l'expérience, est fondée sur la tradition, sur l'histoire. C'est le remède aux maux de notre époque. Mais effectivement. Et en effet, comme on dit, oui, il y a un peu un côté où ils rejettent ce qui leur arrive, et en même temps, souvent, pour ceux qui sont assez âgés, ils ont soutenu pendant 20-30 ans les différents régimes, etc. Quelquefois, même le vote Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Enfin, c'est parfois des gens qui ont participé à ça et qui commencent à faire marche arrière. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tous les éléments en tête. Mais... Non. Alors effectivement, bon, Marine Le Pen n'est peut-être pas la meilleure candidate capable de défendre les idées, disons, de la France traditionnelle. Oui, parce que ça reste régimiste, comme on disait. Marine Le Pen, il faut bien le dire, elle sert la soupe au régime, dans la mesure où elle veut se faire reconnaître par le régime, elle veut se faire adouber par le régime. D'ailleurs, elle a même renié le mouvement Gilets jaunes pour ça, alors que, de premier abord, ça devrait la profiter.
Mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous dit « mais il faut sauver la République », c'est quelqu'un qui, politiquement, n'est pas fiable lorsque l'on veut défendre la France. Il veut sauver le régime que le peuple commence à rejeter de plus en plus. Et bien sûr, parce que pendant très longtemps, on a assimilé République et France. De même qu'on assimile libéral et conservatisme, on assimile les deux. Bien. On ne peut pas assimiler... Alors c'est une forme de gouvernement, enfin c'est... Alors la République, si vous la prenez au sens de Jean Bodin, la République, la res publica, la chose oui, publique... C'est autre chose qu'aujourd'hui, oui. C'est autre chose, mais aujourd'hui, la République, elle a une connotation particulière. Oui. C'est fondée sur le rejet du... Je le répète, sur le rejet du christianisme, sur le fait de placer l'homme au centre du monde, de rejeter toute forme de transcendance, de dire que l'homme... C'est de placer l'homme au centre du monde et de dire que l'homme, finalement, est sa propre raison, sa propre justification. Donc, à partir de ce moment-là, vouloir se dire « mais je défends la République, je défends ci, etc. » Bon, c'est ne rien avoir compris au régime, ou alors c'est tout simplement être un fief et menteur et vouloir surfer sur les problèmes des Français pour assouvir sa soif de pouvoir et de domination. Donc l'assassinat des Français par l'oligarchie financière. Alors aujourd'hui, c'est l'assassinat. Bon, il faut bien dire les choses comme elles sont. Vous avez une lutte en France. Alors on peut parler de lutte des classes, parce qu'effectivement, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des possédants, alors que la majorité du peuple français se fait tondre en permanence. Je dirais simplement une chose, c'est que vous avez une majorité de Français et s'est retrouvé pendant des années de 2003 à 2013 à voir son revenu moyen augmenter de 2,3%. Bon. Vous avez les 10% les plus riches, pendant cette même période 2003-2013, leurs revenus ont augmenté de 42%. C'est énorme. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles. Bon. Effectivement, donc vous avez effectivement une lutte entre le peuple français qui ne veut pas mourir, qui veut rester lui-même, mais qui est de plus en plus paupérisé, et qui veut faire vivre dans ses racines, dans son terroir, et une classe, on pourrait dire une classe supérieure, une classe bourgeoise, pour employer un grand mot, mais qui est infiltrée par les idéaux mondialistes et qui, pour elle, pense que la France appartient aux pensées et qu'il faut au passé et qu'il faut raisonner en termes de mondialisme, en termes planétaires. Oui, c'est les Français un peu bourgeois qui, finalement, sont très macronistes et rattachés un peu aux associations juives actuelles, quoi. Ils suivent le courant... Et ceux-là, ce sont en effet une classe supérieure, plus ou moins, qui cause le malheur de... C'est une classe supérieure qui pense d'abord à ses intérêts et qui pense que la France en elle-même n'a plus d'avenir et qu'il faut penser en termes de monde. Donc la France, pour elle, c'est tout simplement un territoire... Un point géographique qui se résume. Point géographique qui se résume. À des paysages. À la France, à Paris, l'agglomération parisienne. Agglomération de taille mondiale, avec quelques métropoles, disons, satellites, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nantes à la limite. D'ailleurs, ce sont des régions commerciales et non pas régionalistes. Des régions commerciales dans lesquelles que l'on peut rejoindre Paris en 2 heures de temps par TGV, voire 4 heures si c'est, ou 3 heures si c'est un peu plus long. Mais voilà, c'est tout, c'est la France. Et le reste, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ce sont les sangliers, ce sont les chasseurs, les hommes des bois qui vivent là-dedans. Mais je caricature à peine, une réflexion que j'ai eue l'été dernier dans la campagne Morvandel, c'était des jeunes qui venaient de Paris, et puis qui se trouvaient sur une petite route et qui me demandent, mais... où est le prochain supermarché? Il est à 40 km. Mais on est où ici? On est mais dans le trou du cul du monde, mais comment peut-on encore vivre ici? Voilà, ce sont des gens qui découvraient qu'effectivement, il existait autre chose. Et ils étaient horrifiés par ce qu'ils découvraient, effectivement. Il y avait des vaches, il y avait des paysans avec leurs tracteurs, il y avait encore des vieilles maisons. Et puis,
Après, les campagnards, quoi qu'on en dise, ne sont pas totalement coupés des réalités, parce qu'il y a la télévision, et quelquefois, ils veulent en faire autant que les gens des villes aussi. Effectivement, mais seulement les paysans et les gens des provinces, pour la plupart, et ceci explique le phénomène des gilets jaunes, ont parfaitement compris que ceux qui parlaient en leur nom ne les représentaient pas. Et finalement, il y avait une coupure, c'était deux mondes totalement différents. Bah même, bon, c'est pas un soutien à Jean Lassalle, mais entre Jean Lassalle et Bernard-Henri Lévy, on sent bien que bon, il y a une grosse différence, quoi, entre bourgeoisie juive des villes et de l'autre côté, un provincial du fin fond du sud-ouest. c'est rien que là, bon, non pas qu'il y ait une énorme séparation dans les deux, il y a un côté gaulliste, un côté résistant. Mais enfin, Jean Lassalle, avec toutes ses tares et tous ses défauts, eh bien, est un homme enraciné dans la vallée d'Aspe, dans sa vallée des Pyrénées. Ça, c'est sûr. Alors que Bernard-Henri Lévy, il est enraciné nulle part, sauf peut-être à Jérusalem. C'est ça. Et encore, je n'en suis même pas sûr. Donc effectivement, il y a cette coupure, il y a deux France. Donc effectivement, à un moment ou un autre, eh bien, il y a une rupture qui se crée, et il y a un problème, il faut que l'un l'emporte sur l'autre. Et effectivement, c'est l'enracinement des peuples, ce sont les peuples, la masse des peuples qui doivent l'emporter sur les fractions qui s'en détachent. D'où la nécessité de parvenir à faire comprendre, à développer la conscience politique de l'ensemble des masses françaises, face à cette oligarchie qui les trahit, qui se réclame française, mais qui ne sait pas exactement ce que c'est que la France. Oui, mais c'est un point à relier, comme on disait. Et est-ce que vous pouvez, juste un petit propos par rapport à la légitimité, de traiter un petit peu de cette articulation qui, normalement, il doit y avoir entre un État et son peuple, puisque l'objet d'un État, en principe, c'est tout de même de travailler au bien, de défendre sa population, un minimum. Il est, entre guillemets, mandaté pour ça, bien que ce soit après un principe supérieur d'autorité. Alors effectivement, alors la légitimité, elle se comprend comme une articulation entre trois pôles. Vous avez le pouvoir d'en bas, c'est-à-dire la masse, le peuple. Vous avez le pouvoir d'en haut, c'est-à-dire l'autorité, qui normalement est mandataire de ce peuple. Avec les institutions. Et le troisième pôle, justement, les institutions qui elles-mêmes sont l'élément de durée, de mise en forme de l'ensemble de la nation. Autrement dit, le pouvoir d'en bas, le peuple, doit pouvoir avoir une interaction permanente avec le pouvoir d'en haut, c'est-à-dire l'autorité. Et l'autorité ne détient sa véritable légitimité qu'autant qu'elle est en accord avec le peuple et qu'elle influe sur ce peuple pour justement créer une entente entre les deux. Pour son bien. Et les deux influent sur un troisième élément, qui est la forme du régime, la forme de la nation, l'État, en quelque sorte, puisque l'État, c'est la forme de la nation dans l'accomplissement de son destin. Et cet État, cette forme de la nation, influe elle-même sur le peuple et influe sur l'autorité, l'autorité d'en haut, qui permet de créer cette légitimité. En gros, c'est un ensemble de flux d'équilibre entre ces trois pôles de la constitution d'une nation qui explique la légitimité. Donc il y a une espèce de circuit, et en effet, en cas d'hémorragie, comme là on assiste à quelque peu, hein, vous direz cette lutte des classes, entre guillemets, à court forcément, puisqu'il n'y a plus cette une opposition. Alors effectivement, c'est une forme de lutte des classes, en ce sens que la classe supérieure, elle, est déconnectée de l'ensemble du peuple. Mais il ne faut pas oublier que c'est la masse du peuple elle-même qui détient au fond la légitimité, en ce sens que c'est le peuple, en ses structures organiques, ses corps intermédiaires, qui est l'âme, qui est la vie elle-même d'un peuple, qui est la substance d'un peuple, qui est l'essence d'un peuple. Et l'autorité, elle, l'autorité est simplement, en gros, comme je l'ai dit, le mandataire de cette masse, en est l'expression intellectuelle, l'expression raisonnée, pour pouvoir lui permettre de se projeter dans le concert des nations et dans l'universel, à travers un élément
qu'est l'État, l'organisation de l'État, qui est la constitution de la nation en vue de son accomplissement dans l'universel. Donc, et aujourd'hui, effectivement, le pouvoir d'en haut n'a plus de légitimité en ce sens qu'il refuse d'entendre, d'écouter le pouvoir d'en bas, c'est-à-dire le peuple, et qu'en même temps, il dévoie les institutions, puisque les institutions en France, la légitimité des institutions, la légitimité de l'État, elle s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les institutions de la Ve République, même si on est toujours le sigle Ve République, s'inscrivent dans la durée. Quand vous avez plus d'une vingtaine de révisions constitutionnelles en 50 ans, vous ne pouvez pas dire que vous avez un régime stable. Ce n'est pas parce que nominalement vous gardez le sigle Ve République que vous avez le même régime. Entre 58 et maintenant, vous êtes passé de l'élection du président par un collège électoral élargi, l'élection au suffrage universel. Vous avez eu je ne sais combien de réformes intermédiaires pour des saisines de ceci, pour créer tel droit à ceci, à cela. Vous en avez plein comme ça. Vous n'avez pas la durée du... Ça a beaucoup trop changé, oui. Ça change sans cesse. Et un régime dont la légitimité, en même temps, dont le fondement intellectuel, le fondement spirituel repose sur l'homme lui-même, est un fondement totalement instable. Pour qu'un régime ait la durée, il lui faut une transcendance. La transcendance signifie que l'homme doit avoir un minimum d'humilité. L'humilité qui est une vertu de vérité, qui consiste à se dire que je ne suis qu'un élément d'un ordre qui me dépasse, avec des règles auxquelles je dois me conformer, et si je ne m'y conforme pas, il va m'arriver des dysfonctionnements, il va m'arriver des ennuis, il va m'arriver des difficultés. Au-delà des droits, il y a quand même des devoirs, oui. Au-delà des droits, il y a des devoirs. Mais la question des droits, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est attaché à l'esprit libéral, qui est un matérialisme, et qui place l'homme comme au centre de tout, et qui fait en sorte que... Le droit est rattaché à la personne, le droit est rattaché... avec en plus la notion d'égalité, d'égalitarisme un peu arasant. D'égalitarisme. À partir du moment où vous avez la personne qui a des droits, nécessairement... Tout lui est dû, par la nature des choses. Vous avez l'histoire de Robinson Crusoe. L'histoire de Robinson Crusoe, Robinson Crusoe a des droits, ne serait-ce que par sa seule personne. Mais il n'a pas de droits par rapport au monde dans lequel il existe. Alors après, les choses se compliquent avec l'arrivée de vendredi. Mais voilà, donc il faut bien voir une chose, c'est qu'aucun régime ne peut... sa durée sans une transcendance. Aujourd'hui, il y a bien ce qu'on pourrait appeler une transcendance, mais la transcendance, c'est l'homme lui-même. Donc une auto-justification ne permet pas la stabilité d'un régime, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'en France, depuis 1789, aucun régime ne peut tenir. On a énormément changé, oui. Il y a eu deux empires, cinq républiques, un ou deux restaurations. Deux restaurations, oui. Enfin, c'est énorme comme changement en deux siècles. Voilà. Ce qu'on a pu voir. Et quand vous regardez à travers toute l'Europe, les régimes, à partir du moment où ils ont jeté la transcendance... ils ont perdu leur âme et leur identité. Ils ont perdu leur âme, leur identité. Ce sont des régimes qui vont un peu à volo. C'est intéressant de voir ça, de voir que le principe transcendant abandonné, il ne reste même plus la matière, quoi. On finit par... Il ne restait plus ce qui constituait la substance de la matière, quoi. Enfin, ce qui anime la matière. Ce qui anime, oui. Ce qui anime la matière, le corps psychique, si on veut dire, de la nation. Le cerveau contrôle le corps, quoi. Voilà. Voilà. Alors, par contre, il y a un pays quand même qui dénote dans le domaine, c'est la Hongrie. C'est la Hongrie. Et pourquoi? Parce que la Hongrie, le véritable souverain de la Hongrie, c'est pas le président, c'est pas le roi, c'est la couronne de Hongrie. La couronne, qui d'ailleurs trône de nouveau au centre du Parlement de Budapest, la couronne symbolise la Hongrie, le peuple hongrois, le principe spirituel en magyar. Ça donne une unité... Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène Orban qui se développe. Orban, à l'origine, n'était pas tellement nationaliste, si on peut dire. Il venait des milieux socialistes.
Mais le fait que le fondamental de la Hongrie, qui est la couronne, qui est une transcendance qui nous ramène à Dieu, qui nous ramène au Créateur, qui nous ramène à l'ordre du monde, soit l'expression même de la Hongrie, ben, vous transforme un gouvernement. Alors chez nous, aujourd'hui, ben, le travail, il est facile à dire et très difficile à faire, c'est re-christianiser la France. Bon, évidemment, avec le clergé vaticanesque, il ne faut pas espérer. C'est compliqué, enfin, c'est compliqué. Non, déjà, lui, il faut ne pas le reconnaître, déjà. Bon, là, c'est demander l'impossible à des gens qui eux-mêmes n'y croient plus, quoi. N'y croient plus vraiment, et vous dites que les autres religions ont une part de vérité. Oui, d'ailleurs Bergoglio aux Émirats Arabes Unis a fait très fort en balançant comme quoi même l'islam était vérité, ou en partie, quoi. Donc bon, il ne croit même plus au christianisme. Ben voilà, non mais ça c'est une grande erreur intellectuelle, parce que en toute chose, chez n'importe qui, vous allez trouver une phrase, un mot qui va vous dire « Ah, mais ça, c'est vrai ». Ben oui, évidemment. Il faut le replacer dans son contexte. Il faut le replacer dans son cadre logique. Et dans ses limites, oui. On en parlait hors antenne. Du coup, c'est pareil un peu avec les systèmes philosophiques. Nous ne sommes pas libéraux, nous ne sommes pas marxistes, pour notre part. Mais évidemment, là-dedans, certaines vérités captives peuvent être contenues. Après, peut-être des fois qu'elles sont trop exagérées ou... Voilà. Mais si on vous dit système marxiste, la lutte des classes, ben oui, la lutte des classes, ça existe. Effectivement, ça existe. Mais la lutte des classes existe parce que tout simplement, il y a un dysfonctionnement de la société. Mais ça ne veut pas dire que ça explique l'histoire du monde. Comme dirait Marx. Comme dirait Marx. Il ne réduit tout à ça. Voilà. Donc, en toute chose, il faut bien faire attention. Vous allez toujours trouver une phrase chez quelqu'un, « Ah, mais ça, c'est vrai ». Mais seulement c'est vrai, dans quelle limite, dans quel contexte, dans quel système philosophique, dans quel système de pensée. Oui, quand Jacques Attali dit que le ciel est bleu, nous sommes d'accord, mais, voilà. Mais est-ce que ça valide ce qu'il dit à côté? Voilà. C'est autre chose. C'est tout ce genre de choses dont il faut faire... Alors, on revient un petit peu à l'actualité gilet jaunesque, si j'ose dire. Là, dernièrement, depuis notre dernier entretien, il y a eu Christophe Détinger. Il me semble qu'on en avait un peu parlé, mais bon, il y a eu son jugement. Oui. Puisqu'il a été condamné il y a à peine deux jours, à la mi-février. Du coup, un an prison ferme, en semi-liberté. Oui. Mais alors là, ça montre une chose, c'est que le pouvoir a peur. Le pouvoir a eu peur, le pouvoir a encore peur. Il a peur de ce peuple français qui finalement a compris que ce pouvoir était un pouvoir de traître, un pouvoir de criminel. Puis en plus, qui a soutenu ce monsieur Détinger, sa cagnotte a dépassé tous les records, bien des sûr. Centaines de milliers. Mais bien ils, sûr. Ils l'ont supprimé. Oui. Ils ont inventé une cagnotte informatique pour les CRS en contrepartie. Voilà. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais là, le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur qu'effectivement, le peuple français élimine ce chancre, élimine ce parasite qui s'inscrit sur sa figure et retrouve véritablement sa souveraineté. Et quand on regarde bien, effectivement, la répression contre les gilets jaunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, des énucléés, des gens qui perdent un œil. Des gens qui perdent un œil. Une main. Mais oui, voilà. Et puis les condamnations, les mises en garde à vue, les attaques qu'il y a partout. Mais c'est sans commune mesure avec tout ce qui peut se passer dans les banlieues ethniques. On n'a pas vu la police agir comme ça à Aubervilliers. Il y avait des malfrats et des gangs de vigueurs, ou plus ça. Bien sûr que non. Mais même vous avez des policiers qui ont une conscience, enfin plus de conscience que d'autres, qui ont dit, mais dans certains cas, vers les banlieues ou ethniques, on nous demande de ne pas intervenir, mais quand les gilets jaunes, on nous demande de frapper au visage. Ils le disent eux-mêmes. Certains, oui. C'est, bien sûr, ils ne se sont pas rendus compte de ça, enfin, ou plutôt se commencent à découvrir. Bien sûr. Mais là, une fois de plus, c'est comme à propos de des manifs pour tous, le pouvoir n'hésite pas à taper sur les Français. Un pouvoir d'anti-France tape sur la France. Vous avez eu ça même à l'époque de Clémenceau. Mais il faut se rappeler une chose. L'histoire de la République française, c'est une histoire de répression du peuple français. Il peut y avoir des excès, mais c'est une histoire de répression. Vous avez la République de 1848. Quand vous avez eu les ateliers nationaux qui ont commencé à se révolter, vous avez eu Cavaignac, la Deuxième République, qui a envoyé l'armée, qui a fait des milliers de morts parmi les Français, le peuple français.
Un peu plus proche de nous, il y a eu le 6 février 1934 où des Français ont manifesté contre les scandales financiers de la Troisième République. Et l'État a donné l'ordre aux gendarmes de tirer à balles réelles, pour le coup, c'était pas encore les flashballs. Tirer à balles réelles. Et même auparavant, la révolte de Fourmis en 1891, des mineurs. On a tiré à balles réelles sur les mineurs, on a tiré à balles réelles sur le peuple qui réclamait simplement un peu de considération. Vous avez Clémenceau. Clémenceau qui n'a pas hésité à faire tirer sur le peuple avec les incidents de Draveil, dans le Languedoc. Mais là, dans le Languedoc, il s'est trouvé que les régiments qui étaient faits de piou-piou, vous connaissez les piou-piou du 17e, la chanson la révolte de Marcelin Albert, qui s'est terminée d'ailleurs un petit peu en quenouille, parce que c'était des gilets jaunes avant la lettre, qui n'avaient pas de structure politique, qui a fait tuer sur les vignerons, parce que les vignerons n'arrivaient pas à vivre. Vous avez donc le 6 février 34, mais même beaucoup plus près de nous, vous avez l'affaire de la rue d'Isly, à Alger, où les gens descendaient dans la rue et on a envoyé des nervis pour tirer sur les Français d'Algérie. Oui, c'était même qui pas, manifestaient. C'était pas du tout la guerre civile avec le FLN, C'était tout simplement. Ben voilà, il n'y avait aucun... Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans la même logique. La République gouverne mal, mais se défend bien. C'est l'adage de Maurras, mais il faut l'avoir en tête en permanence. Il faut l'avoir en tête en permanence. Aujourd'hui, il faudrait que les Français prennent compte. Si les Gilets jaunes l'ont plus ou moins compris. Mais alors, pour passer à l'organisation politique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut savoir que nous sommes dirigés par des gens qui parlent français, qui se disent français, mais qui ne sont pas au service de la France, qui ne sont pas au service du peuple français, qui sont contre la tradition de la France, qui sont contre la France millénaire, et ce sont des gens dont la France doit pouvoir se défaire à un moment ou à un autre. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment s'organiser, comment créer le fer de lance révolutionnaire, parce que ça ne peut être que révolutionnaire, qui permettra de renverser ce régime et de rétablir la France. Voilà le fond de l'affaire. Oui, ils sont francophones, mais la francité, c'est encore autre chose. Mais voilà, non. Et sans doute pas francophile, visiblement. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et alors, je veux simplement dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Mais alors, il y en a qui disent, on va financer. Alors, il y en a qui disent, oui, on va pas dénoncer les maçonneries, on va pas dénoncer le judaïsme politique, on va avancer de manière masquée. Mais c'est prendre nos adversaires, c'est prendre nos ennemis pour des imbéciles. La seule injure que je ne leur ferai pas, c'est de les prendre pour des imbéciles. Ce sont des gens très intelligents, ils ont très bien compris. Ils voient très bien comment les choses se passent. Vous avez plein de gilets jaunes. Ah, certes, vous avez vu des affiches Macron égale Rothschild, égale Sikkel. Ce qui est très bien, d'ailleurs, ils ont parfaitement compris. Ils ont très bien compris que c'était le mondialisme, c'était la finance, la volonté de détruire les nations qui étaient derrière le pouvoir que l'on a actuellement. Mais... ces gens-là n'arrivent pas à comprendre qu'il faut s'organiser pour mettre fin à 2 siècles de destruction de la France. Et alors, ils avancent en disant « Ah mais attention, oui, mais nous ne sommes pas racistes. Oh, nous ne sommes pas antisémites. » Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Ça, ils sont en train d'entrer dans... les raies du régime, ils sont en train de vouloir se battre sur le terrain que leur propose le régime. Dans le même logiciel, non. Lorsque l'on veut vaincre un ennemi, on ne va pas se battre sur le terrain qu'il nous propose. Voilà, sujet tout trouvé, c'est le grand débat national, ce qu'on appelle le grand débat national. En gros, c'est l'État qui invite certains leaders gilets jaunes autoproclamés, sélectionnés sur le volet, on ne sait pas trop. Après, il faut s'intéresser... la candidature de chacun. Bon, on avait cité Ingrid Levavasseur qui se dit vote macroniste ne regrettant pas et finalement abandonne la liste gilets jaunes aux européennes. Hein, parce qu'il y a des élections européennes, donc c'est aussi dans ce cadre-là que ça se lance. Et là, le grand débat national, c'est l'État qui pose les questions, c'est l'État qui choisit, ou les médias plutôt. Mais alors, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, sauf de ne pas parler de ceci, pas parler de cela, pas parler de l'avortement, pas parler de la peine de mort, pas parler de ci, pas parler de ça. De l'immigration. Voilà, on ne peut pas parler de l'immigration, surtout pas de l'immigration. Si vous parlez du judaïsme politique, oh, alors là, vous allez être un... Là, c'est même plus la peine d'en parler, d'ailleurs. Là, vous allez directement... Si le goulag existait en France, vous y seriez déjà... Enfin, mais voilà, non. Mais ce grand débat, c'est tout simplement un moyen de...
de régulariser, d'annuler, de disons d'enfumer, de rendre de soporifique, si on veut dire, la révolte des naturels, logiques, légitimes des Français. C'est envoyer un verre d'eau sur un incendie. C'est envoyer un verre d'eau sur un incendie, voilà. Alors, effectivement, mais... Alors, il y a une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, tous ces gens qui se sont rencontrés sur les ronds-points, ce sont plein de gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés, ils se sont rendus compte, même au-delà de leurs différences d'idées, d'origine et autres, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des intérêts communs. Et une certaine force, finalement, parce que ça, le gouvernement qui méprise, voilà, finalement, est obligé d'en tenir compte. Obligé d'en tenir compte. Mais ces gens-là, justement, se sont rendus compte d'une chose, c'est que finalement, ils ont compris qu'on les trompait, qu'on les enfumait d'un bout à l'autre. Et là, il y a eu une prise de conscience politique extraordinaire, et c'est quelque chose qui, à mon avis, quel que soit l'avenir du mouvement, ne retombera pas. Ça a cristallisé une fracture, ça a entraîné une prise de conscience politique des Français. En gros... T'as un point de non-retour. Un point de non-retour. Pierre Sidos disait toujours « ne soyons pas dupes ». Il dit toujours « ne soyons pas dupes ». Et bien effectivement, les Français, là, ont appris à être de moins en moins dupes. Et à mon avis, quelles que soient les circonvolutions que peuvent avoir le mouvement à l'avenir, les événements, les gens, là, ont accédé à une conscience politique contre laquelle le régime aura du mal à... Oui, malgré qu'on voit quelques leaders officiels qui s'affichent avec Besancenot, Mélenchon, bon, c'était pas très plaisant de le voir, et bien on voit qu'il y a encore autre chose quand même, ça va un peu plus loin que quelques leaders qui veulent faire allégeance plus ou moins au communisme démocratique. Mais le problème des Gilets jaunes, c'est que le gouvernement a très bien compris que c'était une révolte. Plus qu'une révolution. Oui. Qui venait des tréfonds du peuple français. Et les tréfonds du peuple français, par définition, c'est nationaliste. Oui, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas du tout. Oui. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas. C'est pour ça que vous avez un Benjamin Griveaux, qui est un type repoussant par ses idées, qui a dit, sous les gilets jaunes, il y a des chemises brunes. Bernard Lévy au fait autant. Mais justement, il s'agit de vouloir déconsidérer ce mouvement en disant aux gens, vous savez, le réflexe, vous voyez, gilet jaune égale français de souche, égale défense de l'identité, égale xénophobie, égale nazisme, égale Auschwitz. Vous savez, mais voilà, la seule chose, c'est que malgré tout, si ça marche encore, c'est certain, ça marche de moins en moins. Oui, c'est ça. Ça marche de moins en moins. Parce que cette histoire d'Auschwitz et autres, ça n'a rien à voir pour le moment avec la défense de la France. Oui, de quelques biens matériels. Mais ça n'a absolument rien à voir. Les gens veulent manger, les gens veulent rester français, les gens veulent rester eux-mêmes. Nous voulons rester français, c'est tout. Hein, nous voulons rester français du nord à la Méditerranée et de l'océan aux Pyrénées. Et de l'océan aux Pyrénées. Et oui. Là, en termes d'actualité, il y avait aussi la cagnotte a été annulée et Marlène Schiappa, qui avait été mise en avant pour ça, a dit qu'il faudrait s'intéresser à qui finance les Gilets jaunes, qu'il y aurait peut-être un complot de Matteo Salvini, etc. Donc ils font dans un espèce de complotisme, cette fois-ci autorisé. Il ne s'agit pas de remettre en question le 11 septembre ou je ne sais pas quoi. Il y a un espèce de complot extérieur qui vient appuyer les Gilets jaunes, on se demande ce que c'est. C'était amusant, on peut prendre le complot. Ah, mais le complot est utilisable en bien ou en mal. Dans un sens, dans l'autre. Selon que ça sert le système ou que ça ne le sert pas. Et alors, d'un côté, il y a l'occupant de l'Elysée, il y a l'occupant du siège de Rome, et les deux s'entendent pas mal pour condamner les peuples européens dans leur réaction. Hein, parce que... Après, c'est les affaires du populisme, etc. Voilà. Mais de toute façon, aller contre 2 millions d'histoires, c'est quand même difficile. Vous savez, nous jugeons les choses à l'échelle de notre vie. 50 ans, 60 ans, 70 ans pour ceux qui ont la chance d'avoir une mémoire qui est d'arriver âgé. Mais ce n'est rien dans l'histoire des peuples. Rien dans l'histoire des peuples. Vous avez des constantes qui se maintiennent. Prenez la Gaule. La Gaule, pour en revenir à la Gaule. Le terme Gaule avait disparu.
sous l'Empire romain, à l'apogée de l'Empire romain. On ne parlait plus de la Gaule. Et finalement, c'est ressorti. C'est ressorti à la fin de l'Empire romain. Vous avez ce fond du peuple qui est ressorti de nouveau. Vous avez, en gros, la France d'aujourd'hui, qui, grosso modo, moins la Belgique, correspond à la Gaule d'avant César. C'est vrai que c'était des provinces d'Empire, et même Lusitania, oui. Ça a donné le Portugal. Ça a donné le Portugal. Vous avez existé finalement plus de... Quoi que vous fassiez, les choses finissent par ressortir et finissent par assimiler le substrat qui existe au-dessus d'eux. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de... De ressortir. Oui, de ressortir d'une manière ou d'une autre. Enfin, qui était déjà là, quoi. Mais... Alors, effectivement, le pouvoir en place veut taper dessus, veut l'écraser, veut le faire disparaître. Qu'est-ce que c'est que ces survivances du passé, ou qu'ils croyaient d'y penser, qui ressortent. Mais tapez ici, vous tapez sur une fumerole ici, vous allez en avoir 10 qui vont ressortir ailleurs. Ouais, comme les taupes, quoi. Comme les... Mais c'est la même chose, mais ne comparons pas les Français à des taupes. Non, c'est une analogie. Voilà. Mais aujourd'hui, la France est un pays malade. Est un pays malade parce qu'il y a une déstructuration de l'espace territorial français. Oui, vous voulez en parler, ça, de l'inégalité des territoires, et je voudrais en dire deux mots. Parce que lorsque vous regardez la carte des gilets jaunes, elle reflète bien souvent les zones de paupérisation de la France. C'est-à-dire ces territoires qui sont déshérités. Ces régions oubliées. Qui ont perdu leurs hôpitaux, leurs écoles, de tout. Quoi. Voilà. Voilà. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour les régimistes, les mondialistes qui sont aux affaires, la France, ça se résume à une agglomération de taille mondiale, Paris, avec quelques métropoles provinciales, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille... Qui existent que par le commerce, quoi. Qui sont reliés par TGV, et le reste n'existe plus. Et toutes ces régions-là, aujourd'hui, effectivement, perdent leurs écoles, perdent leurs bureaux de poste, perdent leur ligne de chemin de fer. Le réseau de chemin de fer, on a tendance à faire... de dire c'est du passé. Non, le réseau de chemin de fer est comme un réseau sanguin qui irrigue le territoire. Parce que la voiture est une chose. Vous avez utilisé votre voiture d'un point à un autre. Mais le réseau de chemin de fer vous permet de vous déplacer, disons, les mains libres, les pieds libres. Vous n'êtes pas attaché, vous pouvez aller d'un point à un autre... Et ça irrigue l'ensemble de territoire. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de liaison entre des villes comme Limoges et Clermont-Ferrand, des agglomérations, l'une est faite de 250 000 habitants, l'autre elle en fait 500 000, mais c'est une véritable déstructuration du territoire. Individuellement, c'est plus simple. En famille, c'est peut-être mieux d'avoir sa voiture avec les enfants, etc., mais individuellement, c'est... Pour les transports en commun. Mais même pour les transports en commun, vous savez, on n'a pas tout essayé en France, et on n'a d'ailleurs pas essayé grand-chose. Pour les transports, vous pouvez faire une synergie entre le transport ferroviaire, la location de voiture à l'arrivée dans une gare, ou même d'autres moyens de transport ou autres qui vous permettent de vous déplacer, de reprendre. Des agglomérations, pour reprendre le cas de Limoges-Clermont-Ferrand, vous avez à peu près 300 km. De zones montagneuses. Vous n'avez pas d'autoroute, vous n'avez quasiment rien. S'il faut remonter par Montluçon, enfin, c'est des choses compliquées. Bon. Mais vous avez un réseau ferroviaire, les gens posent leur voiture à Limoges, ils vont à Clermont-Ferrand, ils peuvent relouer quelque chose sur place en liaison, mais ça peut être un billet unique, hein, par exemple. Ça facilite les liaisons. Quand vous regardez la carte des territoires en déshérence en France, vous avez le centre de la France. Vous avez la Champagne, une ville comme Troyes, de 180 000 habitants, est une ville en déshérence parce qu'elle n'est plus reliée, elle est juste reliée à Paris, et puis après à Belfort, elle n'a plus de liaison avec ses liens de la Chécane, la capitale de la Champagne, elle n'a plus de liaison avec Reims, Chalon-sur-Marne, elle n'a plus de liaison avec le Sud, avec Dijon, avec Auxerre. Ce sont des villes qui meurent progressivement. Vous avez... des villes comme Épinal et Saint-Dié. Alors, elles sont reliées à Paris. Mais entre elles, depuis le mois de décembre, Saint-Dié et Épinal ne sont plus reliées. Alors, on vous dira, il n'y avait plus grand monde. Ben, évidemment, quand vous n'avez plus que deux ou trois trains par jour
à des horaires mal commodes, bah, il ne faut pas s'étonner que les gens ne les prennent pas. Après, il y a encore autre chose, c'est le souci de la démographie, où on voit que la Creuse, en 2 siècles, a perdu le double de sa population, divisé par 2. Et voilà, il y a une chose, lorsque l'on regarde la création des départements en 1789, vous aviez à peu près un équilibre de population entre les différents départements. Bon, vous en aviez qui avaient un peu plus, comme la région parisienne, la région des Bouches-du-Rhône, mais dans l'ensemble, ça variait en gros entre 250 000 et 300 000 habitants. Aujourd'hui, la plupart des départements, vous avez tous les départements du centre de la France qui sont passés quasiment à rien. La Creuse est passée, par exemple, entre 1791 et 2016, de 240 000 habitants à 120 000. C'est faux, oui. Vous avez des vides qui se créent un peu partout. Vous prenez l'Allier. L'Allier est passé à 267 000 habitants. En 1800, elle en avait 350 000. Alors qu'en plus, la population à l'échelle nationale, elle devait être un peu moins nombreuse. Alors que la population française était beaucoup moins nombreuse. On était à peu près... Allez, on était 30 millions. On était 30 millions. Maintenant, on est 60 en comptant, disons, toutes les populations résidant sur le territoire, françaises ou pas. Donc, effectivement, vous avez un déséquilibre. Par contre, vous avez des départements, bon, on parle pas de l'agglomération parisienne, mais vous avez d'autres régions qui ont gonflé énormément. Vous avez un déséquilibre total. Or, si vous... On peut comparer le territoire français et le peuplement de la France à un arbre. À un arbre qui a son écorce et qui a son bois au milieu. Et la France aujourd'hui n'est plus un bois plein au milieu, est un bois mité, est un bois atteint, est un bois vermoulu en de nombreux endroits, donc extrêmement fragilisé. Et nous en sommes là. Et aussi le vieillissement, oui. Il y a le vieillissement des populations. Mais si vous aviez des services publics, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les transports, des transports rapides pour relier d'une métropole à l'autre, et ça, si on a une souveraineté économique et financière, je dirais ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte que du travail, eh bien on pourrait revitaliser tous ces territoires. C'est une question de survie de la France, parce que la nature a horreur du vide. Et si toutes ces régions-là se vident de population, un jour ou l'autre, elles en trouveront d'autres qui viendront les occuper, qui viendront les remplir. Ce ne seront peut-être plus des Français. Après, il y a aussi le niveau bien matériel, comme on disait. Puis là, avec la nouvelle année, les taxes ont augmenté, la flambée des prix alimentaires de 10% environ, où notamment les hypermarchés de province où vont très certainement les gilets jaunes. Je crois qu'il y a une augmentation de 8%. Donc, les hypermarchés vont commencer à avoir des prix qui ressemblent à ceux des centres-villes, de plus en plus, alors que les moyens sont généralement pas les mêmes. Quoi. Du coup, il y a cette flambée-là, un petit peu de tout. Après, les services sociaux, la poste, ça augmente. Ah, mais vous avez... Le gouvernement s'y entend comme personne d'autre pour continuer à ajouter de l'huile sur le feu de la révolte d'une manière ou d'une autre, à la limite, où ils n'ont rien compris, où ce sont des pervers. Oui, c'est ça. Il y a soit l'inconscience, soit vraiment... La perversion. Parce que franchement, on continue à augmenter les taxes. Effectivement, là, soi-disant, pour permettre aux agriculteurs d'être mieux rémunérés, on augmente les prix de base. Mais je doute que nos braves agriculteurs, nos braves paysans... envoient grand-chose, sauf peut-être des pièces jaunes. Oui, parce qu'ils disent que c'est pour qu'ils soient mieux payés. Les dépenses... Voilà. Non. Si l'on veut changer les choses, pour mieux rémunérer les agriculteurs, bien tout simplement, c'est mettre fin à la pseudo-politique agricole commune, qui maintenant d'ailleurs qui n'en est plus une, et puis c'est les rémunérer au juste prix, et mettre fin à tous les systèmes d'accapareurs, d'intermédiaires qui existent partout. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas, encore une fois de plus, en taxant le consommateur, l'acheteur, que l'on va obtenir quelque chose. Bon, là, le gouvernement a suspendu des taxes. Alors, j'aime bien le mot, on suspend des taxes. Ça veut dire qu'elles reviennent de mois plus tard. Ça veut dire que, oui, dans 6 mois, elles vont revenir. Par exemple, entre le 15 juillet et le 15 août, pendant que les gens vont regarder le soleil, à supposer qu'il soit là, eh bien,
pendant ce temps-là, on va vous rajouter quelque chose. Vous savez, entre le 14, même le 15 août, 18, 20 août, les gens pensent un petit peu à autre chose, ce qui est bien normal. Eh bien, plouf ! Un petit loi de trop, puis... On vous rajoute une taxe, une loi scélérate, un décret scélérat ou autre chose. Puis, ça passe comme lettre à la poste. Alors que la situation n'y prête pas, là, il y a 14% des gens qui sont à découvert en France. Il y a la moitié qui n'arrive pas à économiser, donc ils dépensent leur salaire chaque mois. Donc là, autant dire que bon, les vacances, même juillet-août, c'est pas certain. Et pendant ce temps-là, on voit qu'en plus, il y a aussi les aides aux migrants, etc., qui là sont les nouveaux demi-dieux qu'il faut servir au nom des taxes, en plus, toujours. Il y a la taxe écolo, il y a la taxe migrant, il y a la taxe... Il y a une chose qui, effectivement, qui ne peut que révolter tout un chacun, c'est de voir qu'un étranger plus de 65 ans qui arrive chez nous, il a le droit à toucher une retraite. Vous avez des étrangers qui arrivent sans papier, sans rien, en gros des envahisseurs, des délinquants. Clandestins. Des délinquants. Qui n'ont jamais travaillé sur ça. On regarde la loi qui arrive et qui vont toucher la CMU, l'aide médicale d'État, et toutes ces choses-là. Et pendant ce temps-là, vous allez avoir le malheureux français de souche. Le glandu de base. Qui, lui, a travaillé depuis 20 ans. Et voilà. Alors après, on va vous dire que les gilets jaunes, c'est un relent de racisme de tout. Non, c'est tout simplement des gens qui refusent. C'est la justice et du bon sens. Qui disent d'abord charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Oui. On sert d'abord le peuple français avant de servir l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais d'abord, nous. Comme on dit, si on ne peut pas s'occuper de sa propre famille, de sa propre maison, on ne va pas s'occuper de plus large. Bien sûr. Puis de toute façon, en politique, eh bien, il faut envoyer des signaux forts. Si vous envoyez des signaux forts aux autres peuples en disant que s'ils arrivent chez nous, qu'ils n'auront droit à rien, et qu'il est plus certain pour eux qu'il leur arrivera de mourir sur place plutôt que d'être secourus, eh bien, les signaux s'enverront ailleurs et ils arrêteront de venir. Oui, il y a aussi ça, il y a un appel d'air qui est fait par ces taxes et ces aides sociales. Okay. Et puis, pour que les gens comprennent un peu mieux aussi, finalement, fermer sa porte de maison, c'est comme fermer une frontière. La porte de la maison n'est pas tout le temps ouverte, on ne veut pas que n'importe qui rentre. C'est un minimum de logique qu'il faut contrôler les choses. Pour contrôler son destin, sa situation. Il faut déjà se défendre soi-même. Il faut déjà pouvoir exister par soi-même et défendre son territoire. Si nous disparaissons en France, c'est notre territoire, nous n'avons pas de position de repli. Oui, personne ne va le faire à notre place. Personne ne fera à notre place. Donc. Puis là, c'est un peu ce qui se passe avec le Macron qui est choisi par la finance internationale. C'est pour ne pas perdre le relais France, finalement. Parce que ne serait-ce qu'avec le conflit interne des populismes, ils sentent que certains pays leur échappent ou commencent à leur échapper, ou en puissance. Et du coup, bon, bah là, la France, il ne faut pas la lâcher en sachant que c'est quand même la deuxième position de l'Union européenne après l'Allemagne. Bon. Et la France a une position particulière dans l'histoire. La France, au moins pour l'Europe, enfin, pas de l'Arménie qui a été chrétienne avant la France, mais c'est la première nation chrétienne d'Europe. Ça a été toujours le centre de l'Europe. Quand vous regardez le foyer de civilisation qui a permis à la civilisation européenne moderne de se développer, le cœur, il était où? Il était entre Paris et le Rhin. C'est l'Austrasie. La France a toujours été au centre de tous les mouvements. Jeanne d'Arc. Parce qu'il faut bien en parler, parce que nous aussi, on va rigoler avec Jeanne d'Arc. Hein. Mais Jeanne d'Arc, même chez les Iraniens, ils sont intéressés par le personnage de Jeanne d'Arc. Ils prennent au sérieux. En Russie, Jeanne d'Arc est prise très au sérieux. Jeanne d'Arc est un personnage universel, mais qui n'a existé qu'en France. Qui n'a existé qu'en France. La France, c'est elle qui, pour le pire, a dévoyé l'Europe en 1789, mais c'est la France la première qui a commencé à réagir après contre les déviations, les errements de cette civilisation, de la Révolution et de tout ce qui a suivi. Quand vous avez eu Vatican II, qui a réagi? C'est pas un évêque allemand, pas un évêque italien, c'est un évêque français,
c'est Mgr Lefebvre. Ceux qui réagissent aujourd'hui, qui se révoltent à travers l'Europe, les premiers qui ont dit non à Maastricht, enfin, disons, au projet européen, c'est en 2005, ce sont les Français. Qui aujourd'hui se révolte à travers l'Europe contre la volonté de destruction des peuples d'Europe par l'oligarchie mondialiste ? Ce sont les Français. Vous avez le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement est spécifiquement français, et il essaime à travers le monde. Et en plus, il est international. C'est, vrai, c'est le charme des Français d'initier des mouvements qui sont recopiés. Mais il est une chose, c'est que c'est par la France que le système mondialiste va bouger, va être combattu, va être lézardé et va s'écrouler. Et tous les francs-maçons, tous les messianistes de tout poil, de la synagogue ou d'ailleurs, qui savent mieux lire les signes de la vie que d'autres, savent très bien que c'est en France que se trouve le point nodal de la situation. Et que c'est par la France que les choses bougeront. Donc effectivement, il faut à tout prix essayer de maintenir un couvercle de plomb sur la France. D'ailleurs, là, voilà le fond de l'affaire. Il y a l'arsenal juridique d'ailleurs qui se développe en ce sens, puisque les droits de la presse sont réduits, la censure sur Internet ou des sites Internet vont pouvoir être détruits, ou encore l'abolition de l'anonymat, c'est l'association la DILCRA qui voit ça jusqu'au niveau européen. Ils essaient de forcer l'Union européenne à passer à des mesures informatiques pour forcer les gens à mettre leur vrai nom, leur vraie adresse IP et pouvoir repérer les sites, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une formule de répression et qui part aussi de la France, du moins de l'État et des coteries alentour. Mais alors justement, toutes ces mesures, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, seront contre-productives. Pendant un temps, elles peuvent bloquer, mais elles n'arrêteront pas. Vous avez déjà vu un barrage qui empêche l'eau de s'écouler ? Non. Bon. Alors, ils peuvent prendre toutes les mesures qu'ils veulent, d'une manière ou d'une autre, le flot de révolte, le flot de vie du peuple français, le fleuve de la vie de notre civilisation passera par-dessus toutes les barrières, tout ce qu'ils pourront ériger. Et dans les années qui viennent, parce que vous avez plein de problèmes qui se présentent à l'échelon de l'Europe, vous avez les problèmes ethniques, multiculturels, qui sont des causes de conflits majeurs, qui peuvent dégénérer très vite. Vous avez le système financier international. Bon, un militant, nous disons, depuis 2008, depuis le début de la crise et de 2008 et du traitement qui en a été fait, qu'elle est gravide d'une crise encore plus importante à venir. Bon, les journaux aujourd'hui le disent. Si vous avez une paupérisation qui s'étend à la France, qui s'étend à l'Europe, mais les choses peuvent exploser du jour au lendemain. Et aujourd'hui, une minorité de gens ignorés aujourd'hui, demain vont avoir l'oreille et l'écoute de gens qui, la veille, refusaient de les entendre et les méprisaient. Finalement, il y a eu la réaction Gilets jaunes, par exemple, à l'échelle de l'Italie, même on a vu comment a fini la Grèce sous Goldman Sachs. L'Italie, ça a été pareil. Après Berlusconi, ça a été du Goldman Sachs multiplié par 10. Oui, oui. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont une réaction populiste du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord. La grosse différence, c'est qu'en Italie, ça s'est traduit en termes politiques et vous avez un gouvernement, Salvini parle haut et fort, mais quand même, il est sioniste. Ce qui n'est pas le cas de Di Maio, d'ailleurs. Ce qui inquiète d'ailleurs le régime actuellement, parce que c'est Di Maio qui est venu soutenir les Gilets jaunes, et ça inquiète énormément le régime. Oui, c'est vrai, ça fait une affaire dernièrement. Voilà, parce que Di Maio, lui, n'a pas fait allégeance au Sanhédrin comme Salvini. Mais tel que nous en sommes, nous allons avoir des problèmes extrêmement graves qui vont se poser à l'avenir, mais vous allez pouvoir faire toutes les lois, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, vous n'empêcherez pas la révolte des peuples. Alors ce qui importe, c'est justement de créer une organisation révolutionnaire, en ce sens qu'elle est révolutionnaire, dans la mesure où finalement elle considère que l'ordre existant aujourd'hui est nul et non avenu, et que finalement
Nous ne visons qu'une seule chose, c'est le rétablissement de la France millénaire sans nous préoccuper d'une légalité qui n'a aucune légitimité. C'est ça le sens du mot révolutionnaire. Ça ne veut pas dire d'aller tirer sur n'importe qui ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour donner moins de coups que ceux que nous recevons. Nous sommes là pour donner des coups plus que ceux que nous pouvons recevoir. Le problème, c'est de créer cette organisation révolutionnaire. En France, les nationalistes, il y en a, se disputent entre eux, se bagarrent entre eux, ne travaillent pas assez, font de l'activisme au lieu de se former, de s'instruire, de devenir des cerveaux. C'est ça le fond du travail, c'est de s'organiser, c'est d'avoir la patience. La patience est la vertu du fort. Il ne s'agit pas d'aller attaquer un tel, de fanfaronner à droite à gauche, il s'agit de se former, de créer des organisations patientes, qui irriguent le pays, qui conquièrent les âmes, pas toutes les âmes, mais au moins les meilleures des âmes, pour notamment dans les élites. Oh, je sais que parmi ce qu'on appelle les élites aujourd'hui, nous n'en récupérerons pas beaucoup. Mais le peu que nous récupérerons, eh bien, ce seront des relais qui permettront à terme de constituer les réseaux. Le jour où la situation se présentera, parce que l'État sera à bas, permettra justement ce changement et de rendre à la France sa véritable civilisation. Aujourd'hui, il ne sert à rien de... Bon, alors si on peut faire des actions pour montrer qu'on existe, participer à des élections européennes, pourquoi pas, ça peut permettre de faire de la publicité, je dirais pas gratuite, parce que ça coûte assez cher de se présenter à ce genre d'élection, mais permettre de se faire connaître, de diffuser des idées. Mais il ne faut pas compter sur le système électoral. Il faut très bien savoir que les changements dans l'histoire se font toujours par des ruptures. La loi de continuité mathématique en histoire, ça n'existe pas. Comme en bourse, vous avez la loi de puissance, c'est-à-dire vous avez des ruptures. Des ruptures. C'est ce que disait d'ailleurs un mathématicien, Mandelbrot, il expliquait, c'est les fractales, le système des fractales, les choses ont des ruptures. Il n'y a pas de continuité. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut penser, qu'il faut s'organiser. Ça n'a rien à voir avec de l'activisme, avec de la violence, avec autre. C'est un travail méthodique, un travail de formation, un travail de capillarité, de conquête des meilleures âmes, des meilleurs esprits de la France, pour justement constituer ces réseaux qui permettront le changement de régime le jour où il se produira. Lorsqu'un changement de régime se produit, c'est rarement par la violence. C'est toujours simplement une pitchenette qui permet de faire tomber ce qui était vermoulu et ce qui ne tenait déjà plus et qui avait simplement l'apparence de l'éternité. Et ça se fera sans doute avec de nouvelles têtes, disons. Et ça se fera avec de nouvelles têtes, avec des élites que nous ne connaissons pas. Mais vous savez, parmi les observateurs politiques les plus réfléchis, ils disent, mais les gouvernants de demain qui viendront après, mais nous ne les connaissons pas encore, mais ils existent, ils sont quelque part dans le pays. Et nous, notre travail, c'est justement de préparer cet accouchement. Voilà. Ça peut être nous, mais ça peut en être d'autres. Nous ne sommes pas notre service, nous sommes au service d'une idée, nous sommes au service d'une nation, nous sommes au service du pays et d'une civilisation. Et à terme, nous sommes au service du christianisme. Et du bien commun. Nous sommes, parce que je reprends mes trois étages, au sommet il y a le christianisme, la spiritualité, qui informe l'intellectuel et qui nourrit le matériel. Ce sont les trois strates. Et aujourd'hui, dans le système où nous sommes, bah le magistère, c'est pas le christianisme, c'est la maçonnerie, c'est le judaïsme politique, qui informe toute l'idéologie des droits de l'homme, toute l'idéologie de l'égalitarisme, toute l'idéologie de l'antiracisme, et qui en vient à détruire et à pourrir notre société. Oui. Toutes ces choses-là, toutes ces déclinaisons de ces gnoses, de ces idées sataniques, parce qu'il faut les appeler comme ça, de rébellion contre Dieu, contre le Créateur, qui nous amène à la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, avec Bilal Hassani à l'Eurovision, en Israël, pour chanter en anglais. Oui, alors là, le fameux Bilal Hassani, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen d'obtenir l'assentiment des populations musulmanes qui, quoi qu'on en dise, on peut en dire tout ce qu'on en veut, mais elles conservent, un esprit beaucoup plus sain
que la plupart des esprits pollués qu'on peut avoir chez nous, parce qu'ils ont encore, eux, l'idée de la transcendance. Ils ont l'idée d'un certain enracinement, une certaine idée de bon, qui leur donne une idée de bon sens, qui disparaît chez nos pseudo-élites, qui se regardent le nombril, parce que finalement, l'homme est la mesure de toute chose. On en a un peu parlé au début, d'ailleurs. Et puis, petit dernier élément d'actualité que je voulais souligner, il y avait, par rapport au Venezuela, parce qu'il y a eu une révolte populaire, là aussi, pour le coup, peut-être quelque peu socialisante avec Maduro, et Emmanuel Macron est allé dire qu'il soutenait cet événement, alors même que chez lui, en France, il y avait une révolte populaire contre lui qui le battait dans la force. Oui, non, mais là, effectivement, alors... Il faut être cohérent. Vous avez deux régimes, en gros, qui ont une faillite économique et sociale. Le régime de Maduro, c'est une faillite économique et sociale. Le régime de Macron et de ses prédécesseurs, c'est une faillite économique et sociale. Alors nous, effectivement, le régime, il tape sur les Français qui se révoltent. Mais par contre, au Venezuela, il soutient les révoltés contre le régime légal. Bon, il y a une incohérence. Nous, il n'y a pas vraiment une incohérence. Non, c'est que ça va peut-être plus dans son sens que... Ça va beaucoup plus dans son sens. Le fameux Guaido fait partie des mêmes loges maçonniques que Macron. Tandis que Maduro... Alors, Maduro, effectivement, à la suite de Chavez, a pour bilan un bilan économique négatif et autre. À ceci près, quand même, qu'il faut bien dire... c'est que les États-Unis et toute la finance internationale n'ont absolument pas aidé le Venezuela à s'en sortir. Alors j'admets que le gouvernement chaviste a commis énormément d'erreurs en économie, mais il faut dire que personne ne l'a aidé et tout le monde essaye, et les mondialistes ont toujours essayé de lui maintenir la tête sous l'eau. Tandis que chez nous, c'est le pouvoir que nous avons en place qui veut mettre la tête sous l'eau aux Français. C'est tout à fait. Mais c'est tout à fait autre chose. Et je pense que si le fameux Guaido arrivait à ses fins, alors effectivement, il y aurait peut-être moins de queue devant les boutiques au Venezuela, mais je pense que la richesse vénézuélienne serait pillée très très rapidement au profit de certains groupes apatrides et multinationaux, comme jamais. Puis il y a la situation de l'Allemagne aussi, la situation économique, puisque là aussi, on en vante certains mérites, parce que ce sont les premiers en Europe, en tout cas Europe centrale, de l'Ouest, mais ils ont aussi des soucis d'embauche salariale et tout ça. L'Allemagne est un pays qui, soi-disant, est le plus riche d'Europe, mais où il y a un taux de paupérisation énorme. Depuis les lois Hartz des années 2004-2005, vous avez une telle libéralisation du marché qui fait qu'effectivement, des gens travaillent, mais seulement avec ce qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Bon, ils sont obligés de faire plusieurs métiers, et vous avez un quart de la population allemande qui vit quasiment en dessous du seuil de la pauvreté. Alors si c'est ça le modèle social-économique allemand que l'on doit adopter et que l'on doit suivre, je dis merci, j'en veux pas. Non, et l'Allemagne, cet énorme problème de vieillissement. L'Allemagne est en quelque sorte un astre mort, du point de vue démographique. Alors faire venir du monde. Bon, je vois mal faire venir des peuples extra-européens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le même rameau civilisationnel, qui ne veulent surtout pas s'adapter aux nôtres. Venir aider l'Allemagne à s'en sortir. Bon. Quant à faire venir des Biélorusses, des Ukrainiens, des anciens peuples de l'Europe de l'Est, je ne vois pas où est l'intérêt, dans la mesure où c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Hein? Si on vide les pays d'Europe de l'Est pour aider l'Allemagne à s'en sortir, ça ne renforcera pas l'ensemble de la civilisation européenne et des peuples européens. Donc, et en plus, en ce qui concerne l'euro, l'Allemagne aujourd'hui ne joue pas le jeu de la zone euro. Parce que la zone euro, à partir du moment où vous avez une zone monétaire unique, eh bien,
il faut qu'il se produise des transferts des régions riches vers les régions pauvres, ou moins riches, pour équilibrer. L'Allemagne refusant cette politique de transfert, nécessairement la zone euro devient une zone conflictuelle. Mais en même temps, ça fait à égalité des territoires, mais là où les pays riches vont casquer pour ce sol. L'unification de la France, du point de vue monétaire, oui, c'est fait de cette manière-là, avec des transferts, disons, des régions riches de la France vers les régions moins riches. Alors, et là, c'est un peu ce que propose l'Union européenne, mais là où l'Allemagne... L'Allemagne ne veut pas. Mais après tout, pourquoi pas? On comprend très bien l'Allemagne. Mais seulement, à ce moment-là, il faut savoir où on reste dans la zone euro ou où on ne maintient pas la zone euro. Parce qu'à ce moment-là, la zone euro devient, pour employer peut-être un grand mot, mais un élément d'un nouvel impérialisme allemand. Là, Asselineau va dire que c'est le quatrième Reich, attention. C'est une forme de... Ouais, là, c'est une version un peu plus structurelle, il n'y a pas d'impérialisme militaire. Voilà. Mais c'est du point de vue économique. Du point de vue économique. Mais effectivement, la zone euro, elle a une logique. C'est d'unifier économiquement l'ensemble des territoires et des peuples qui dépendent de... Mais dans ce cas-là, il faut jouer le jeu, vous dites. Mais il faut jouer le jeu. Si on ne joue pas le jeu, nécessairement, vous allez avoir des ressentiments de plus en plus violents, des populations qui souffrent de ce déséquilibre face à l'élément central qui est l'Allemagne. Les pays de l'Est ne sont pas encore dans la zone euro. Ils sont généralement en dehors. Et je parle certains veulent rejoindre des pays d'Europe, des pays d'Europe méditerranéenne. Les problèmes de la Grèce viennent du fait qu'elle est dans la zone euro. Mais là encore. Après, là aussi, j'allais dire, il ne sert à rien de faire un repli sur l'État national si c'est pour faire la même politique. Le même genre de politique cosmopolite, etc. C'est vrai que la critique anti-européenne peut être facile, mais si c'est pour faire à peu près la même chose à une échelle nationale, c'est pas à proposer. Non, bien sûr, c'est pas à proposer. Mais c'est tout à fait autre chose, c'est de rendre aux États leur souveraineté monétaire, c'est mettre en place des politiques d'industrialisation, de formation, et en même temps de politique économique de proximité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On nous vante le commerce international, l'ouverture des frontières. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut faire attention à la pollution. Mais plus vous étendez les échanges à travers le monde, plus vous consommez d'énergie pour transporter des marchandises d'un point à un autre. Ce qu'il faut, c'est plutôt favoriser les circuits de proximité. Après, c'est le grand dogme actuel, parce que certains s'opposent au christianisme en disant qu'il y a des dogmes, c'est mal, mais ils s'en font eux aussi. Ils croient au hasard, le Big Bang, ils croient à l'évolutionnisme, ils croient... Et il croit à l'écologie, surtout. Et là, c'est Yves Boucher qui, depuis 10 ans, on n'est pas au premier essai, il dit que un enfant européen, en termes de pourcentage, il saccage la planète 10 fois plus que les autres. Enfin, je ne sais plus quel est le chiffre. Mais c'est pour ça que vous avez l'autre, comment il s'appelle, l'écologiste, là, Yves Cochet. Qui a dit que puisque c'est ça, autant se suicider nous-mêmes, comme ça on sauvera la planète. Ne faisons plus d'enfants, en gros, ça revient au suicide. La seule chose, c'est que je ne suis pas sûr que si on fait venir des migrants qui s'installent chez nous, ils n'adopteront pas par certains côtés nos façons. Le même côté matérialiste. Mais ça, bon. Il n'a pas fait attention, il n'a pas vu. Non, mais là, vous avez des gens qui sont des millénaristes, après, c'est un peu le travers, vous savez, notre siècle. Des intellectuellement malades, si on peut dire. Voilà. Bon. Mais ça existe tout le temps. Voilà, ils ont quelques noms encore aujourd'hui. on s'arrêtera sur ce livre coché. Oui. Ah, très bien, pour ce tour d'actualité, je ne sais pas, pour le prochain sujet du mois, peut-être qu'on actualisera ça, à voir. En tout cas, merci pour vos différentes analyses, autant en phase avec l'actualité qu'avec des sujets de fond assez disons, profonds, plus complexes, mais d'importance. Très important de mêler les deux, quoi. Ça reste accessible et en même temps ça travaille l'esprit. Et puis je vous dis du coup au mois prochain.
pour le prochain, prochain pour un prochain entretien. Merci à vous. Alors, je voudrais simplement rappeler à nos internautes, à nos internautes fidèles, que s'ils veulent s'abonner à Militant, la revue papier, donc. La revue papier. Alors, il y a un essai, un abonnement d'essai renouvelable une fois à 25 euros. L'abonnement normal est de 59 euros. Abonnement renforcé, 82 euros. Et vous pouvez souscrire un abonnement par PayPal sur revue-militant.fr ou alors en envoyant un chèque par courrier postal à Militant, boîte postale 154 75 463 Paris CEDEX 10. Merci à vous. Bonsoir Florian. Bonsoir.